attention. What did I do to deserve you? Don't even know what I needed for you. Just praying on this as a kid. What's up mes gens? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Début du vlog, oui, maintenant je fais mes débuts de vlog, je respecte le début du vlog. Moi c'est Agnès, je suis là pour t'accompagner dans ta vie. Je suis là pour être dans ta vie. Je suis dans la vie de certaines personnes depuis 2009. Je suis là pour partager ma vie de femme sénégalaise ici au Sénégalais, au Sénégal. Je te montre comment je manœuvre here au Sénégal, comment je fais pour trouver mes astuces, mes produits, etc., etc. ici à Dakar. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, vas-y, je suis là pour te donner les bonnes adresses beauté, manger, machin, tu vois. Il y a des vlogs, il y a des produits, il y a des boutiques, il y a tout. Tout ce que tu cherches si tu veux venir au Sénégal, que tu sois étudiante, que ce soit pour le tourisme, tout ce que tu veux, je suis là. Alors, aujourd'hui, vraiment une journée simple. Je vais faire mes montages. Je vais aussi faire mes vision boards. J'en ai parlé dans la dernière vidéo et je vais vous expliquer un tout petit peu plus. Pour la saison summer, dans ma création de contenu, vous allez avoir beaucoup d'été 2024. Je vais vous proposer beaucoup de choses en termes été 2024 pour le mois de juin. Et on va voir ce que ça donne au mois de juillet, ok? Donc là, c'est les préparatifs. Et sérieux, je passe mes journées sur Pinterest. Je suis sur Pinterest H24. Je passe mes journées sur Pinterest. Et j'ai déjà un tout petit peu ma direction artistique pour l'été 2024. Et j'adore, je kiffe. J'ai hâte de vous montrer tout ce que je vais faire pour l'été 2024. En termes de créativité, parce que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais plus exprimer ma créativité. Je ne l'exprime pas assez ici, alors que je suis très créative. Donc, je vais plus vous montrer ça ici et aller sur Instagram pour voir les photos. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, planification pour le mois de juin. J'ai beaucoup de choses à faire, à savoir qu'il me faut au moins 8 vidéos pour le mois de juin. Il me faut 30 contenus pour Instagram, 30 contenus pour TikTok, 30 contenus pour le deuxième TikTok, 30 contenus pour les shorts. Ouais, c'est du travail. Je viens de filmer une vidéo produit terminé qui est passée, hein? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les montages. Je veux faire les montages aujourd'hui. Comme ça, au moins, ce sera en ligne, parce qu'on est à la dernière semaine du mois de mai. Ce sera en ligne cette semaine. Comme ça, ce vlog que je commence, je pourrai le poster le 1er juin. OK? Voilà comment c'est censé être. Je dois nettoyer ma garde-robe. D'ailleurs, on va commencer maintenant. Désolée, luminosité pourrie parce que j'ai les trucs derrière moi. Tout à l'heure, on était en train de parler et j'ai dû couper. On était en train de parler du fait que j'étais en train de planifier un tout petit peu mon mois de juin, ce que j'allais mettre en avant, que j'avais même une DA pour le mois de juin, juillet, août, jusqu'à septembre. Et que je travaillais beaucoup avec Pinterest. J'ai fait des mood boards pour cet été et tout. Et je suis trop excitée de vous montrer tout ça. J'aurais tellement aimé vous mettre quelques inspirations, mais bon, ok.
J'ai appris ma leçon. On fait d'abord et après on en parle. Ok? Donc, je préfère faire d'abord et après, vous voyez et je vous explique au fur et à mesure. Et c'est ça les vlogs. C'est pour ça qu'il y a des vlogs chaque semaine, parce que vous savez que dans la semaine, j'ai travaillé sur un truc et je vais vous montrer, ou bien il y a quelque chose qui s'est passé et je vous ai montré. Ok? À savoir que cet été, j'ai décidé de. Est-ce qu'on peut dire bronzer? Cramer? On va faire les plages. Il faut que j'aille à la plage. L'année passée, je suis allée une fois, je crois, à la plage. What? Non. Cette année, on va à la plage. Cette année, on va à la plage. OK? Même si c'est juste à côté de la Voile d'Or, on part à la plage. On va à la playa. OK? So, yeah. Déjà, il faut que je fasse le tri. Les tri de l'armoire, les tri des produits et tout ça. Et il y a une vidéo qui arrive des produits pour l'été. Tout ce que j'ai prévu pour l'été. Comme ça, le reste, je vais ranger. Il y a plein de vidéos qui arrivent que pour ça. Bon, je vais vous laisser parce que je vais commencer à faire mon deuxième boulot. Et bien, à tout à l'heure. What's up mes gens, nouveau jour dans le vlog. Alors aujourd'hui, je vais aller avec ma mère. Elle va acheter des vêtements. Désolée pour la luminosité. Ici, il y a trop de lumière en fait. Désolée pour la luminosité. Je vais avec ma mère. Elle va chercher une robe et moi en même temps, je vais faire mon repérage. Quand je dis repérage, c'est les trucs que je veux pour mon armoire cet été. Et on va chez deux marques. C'est Soso et Garabi. J'adore leurs vêtements. J'en ai déjà parlé ici, mais c'est là-bas qu'on va aller. Okay? J'amène ma mère. C'est la première fois pour ma mère. Moi, c'est la, je ne sais pas combien de fois que j'y vais. Par contre, dans mon processus, je ne vais jamais acheter la première fois que j'y vais. Je vais d'abord regarder, voir comment ça, c'est quel tissu commencer et après, je vais retourner pour acheter ou commander sur WhatsApp. Ok. So, on est prête et on va y aller. Là, go. Ok, on est au Garabi. Elle est en train de faire son choix. Non, en fait, mais elle est très. Dès qu'elle a amené Belgique. Wow. On est chez Soso, je vous ai déjà montré. Hein.